ça va être un gros pincement au cœur. Ça fait 6 ans que je le côtoie, je l'ai vu naître, etc. Donc je vais être dans l'émotion. C'est une journée très particulière, c'est un animal hautement symbolique pour nous et voilà, un transfert un peu pas comme les autres, on va dire. Et pour l'instant, tout se passe bien et je suis un peu surpris par tout l'emballement qu'il y a autour de ce transfert, le monde qu'il y avait au zoo ce matin, enfin voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis là, voir aussi tous les journalistes qui sont présents sur place à l'aéroport, je m'attendais pas forcément à ça. C'est le retour en Chine, j'irai le voir là-bas, mais c'était important pour moi. D'abord de remercier la Chine de nous avoir prêté ses parents et de qu'on puisse continuer l'histoire tous ensemble. Ce que je vous dis, il est à la fois chinois, mais il a 6 ans de France et il gardera ça en lui, j'en suis sûre. Il repart en Chine au centre d'élevage et de recherche de Chengdu dans le Sichuan pour pouvoir reproduire avec une femelle qui n'ait pas de lien de parenté avec lui. Nous gardons à Bovai ses parents. Nous gardons à Bovai ses sœurs jumelles qui sont nées il y a 2 ans. Ses sœurs jumelles repartiront plus tard. Il ne peut pas reproduire avec sa maman, il ne peut pas reproduire avec ses sœurs. Donc il doit repartir en Chine pour reproduire avec une autre femelle. Et ces jeunes, ces bébés pourront être réintroduits dans une forêt du Sichuan. Alors très concrètement, il est dans une caisse de voyage qui est derrière moi, là, qui a été conçue spécialement pour ce trajet. Il faut vraiment le concevoir comme sa maison en fait pendant 24 heures. Et voilà, et c'est une caisse qui est bien évidemment faite pour être sécurisée pour un animal de 120 kg dedans et qui en même temps nous permet de l'observer facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a des grandes surfaces en plexiglas qui permettent de contrôler, que ce soit bien ventilé dedans aussi pour que lui respire un air correct et puis que nous on puisse le nourrir et le réapprovisionner en eau pendant toute la durée du trajet. Il est très calme, je suis même très étonnée, je suis très fière de lui parce qu'il se comporte très très bien. Quand on lui donne à manger, il mange et ensuite il se repose et là il dormait. Vraiment, tout est parfait. Ça fait plusieurs semaines qu'on l'habitue à sa caisse de transport, c'est sa mini maison. Donc il s'y est très bien habitué. Ce matin, il est rentré volontairement dedans. On a fermé, il s'est mis dedans, il a mangé. Après, il s'est endormi pendant le trajet Zoo de Beauval-Roissy. On s'est arrêté 2 fois pour voir comment il était. Il dormait. Nous, on est encore avec lui là pendant tout le trajet. On est encore avec lui en Chine un petit peu. Mais je pense que quand on le quittera en Chine et qu'on reviendra à Beauval, ça fera un petit pincement au cœur.